70 et demain sur le guidon a priori. Allez, voilà donc le départ de cette catégorie U13 dans moins de 3 minutes. Donc, avec le porteur du maillot de leader, Merlin Rousseig. En deuxième position, nous retrouvons Enzo Duverger. Le porteur du maillot du premier régional, Carillo Clément. Le porteur du maillot du premier U13, première année, Roubé Soran. La première féminine, Amy Guerito, qui a fait un super temps ce matin en 1 minute 52. Et le porteur du maillot du premier départemental pour Renaud Baptiste du Vélo Club Châtillonnais. Voilà donc, messieurs, dames, à 2 minutes, si tout le monde... 1 minute, on peut y aller? Ok. Donc 1 minute, allez, 1 minute, messieurs et dames, 1 minute de départ. Donc maintenant, 50 secondes, on donnera le top à 10 secondes, comme tout à l'heure. 45. Moi, j'ai comme toi. 30 secondes. Alors, deux tours, hein. Deux tours pour vous, effectivement, les U13. 20 secondes. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et c'est parti! C'est parti dans cette catégorie 13 avec le plus gros du peloton, 28 partants dans cette catégorie 13. Et donc, le leader du classement général après ce premier... Allez Merlin! Oh regarde! Oui, je vais regarder. Bon, bah, parfait. Parfait. D'accord. Le premier? Ok. Oui. Ok. Bah, regarde en direct. Okay. Regarde, en direct. Ah bah il est deuxième là. Allez Soran! Allez Soran! C'est bien! Suis, lâche pas. C'est bien. On fait cacahuète. Ouais. Le 13, pardon. L'arrivée du 13, c'est Merlin Rousseig qui s'impose le plus vite, le plus vieux Merlin. Vainqueur aujourd'hui. Il s'est imposé ce matin sur le prologue. Merlin Rousseig, grandissime favori de l'UV Poitiers, qui vient de s'imposer. Voilà, un très beau coureur avec donc et une très belle victoire pour Merlin Rousseig qui s'impose aujourd'hui à Langer sur cette première étape du Mini Tour Blancois et qui ancre tout de suite sa position de leader de ce 52e Mini Tour Blancois. Une superbe victoire encore aujourd'hui de Merlin. Voilà donc Merlin Rousseig, UV Poitiers qui va s'imposer, je pense, avec au-delà de la minute. Il va tout de suite mettre tout le monde à contribution pour les prochaines étapes, ce qu'il va s'imposer, je pense, avec plus d'une minute d'avance. Merlin Rousseig, donc de l'UV Poitiers, qui sera aussi donc leader des grimpeurs, leader du maillot vert. Voilà Merlin qui aujourd'hui à tous les maillots, voilà pour Merlin, il n'a rien partagé aujourd'hui, c'est pas, je crois que c'est pas son habitude de partager dans tous les cas. Ah d'accord, ok, les maillots sont pas cumulables, donc du coup c'est le deuxième qui prendra, qui à la fin du mini-tour aura le maillot. D'accord, ok.
Voilà, donc c'est un élément important à prendre en compte, effectivement. Donc, et c'est Enzo Duverger qui vient faire deuxième, donc Enzo Duverger au sprint, qui règle le groupe de contre devant le coureur de Montlouis, Carillo Clément, qui fait 3, donc c'est ni plus ni moins le classement du prologue ce matin, qui arrive cet après-midi à Langers. Voilà donc Enzo Duverger, deuxième aujourd'hui sur cette course de Langers, et en troisième position, nous retrouvons donc Clément Carillo, si je ne me suis pas trompé. Pardon ? Ah pardon, Moreau, oh là, grosse erreur. Alors j'avais cru voir un maillot de Montlouis, c'est un maillot d'Orléans pour moi. Pardon, donc c'est Evan Moreau d'Orléans qui vient donc contrarier. Allez.